les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K15. On est au Survivor Series pour un match qui opposait un 3 contre 3. Match qui m'était proposé par Marina. Donc elle m'a demandé au début Brian, Punk, Cena et Ambrose contre Kane, HHH, Rollins et Orton. Donc elle m'a demandé de faire un 1, 2, 3, 4, un 4 contre 4. Mais je crois pas que ce soit possible sur WWE 2K15. Je me sens pas, enfin juste à moins que j'ai loupé un épisode. Mais je crois pas pouvoir faire 4 contre 4. Du coup j'ai fait un 3 contre 3 et j'ai mis John Cena, CM Punk, Daniel Bryan contre Triple H, Seth Rollins et Randy Orton. Donc on est parti justement pour ce match les amis. Veuillez accueillir mesdames et messieurs John Cena, venu tout dans le West Nord pour Remix à Chaussette en France. Oui les amis, j'ai décidé ça allait être en France, c'est en France. On est en France aujourd'hui dans ce match. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Survivor Series se passe en France. Je l'ai décidé. Encore une fois, désolé pour Ladies and Gentlemen, je m'adresse plus particulièrement à Playback, un abonné qui déteste entendre ça. Donc, à moins que vous voulez le saouler dans les commentaires en mettant ce commentaire-là, mais je pense pas. On va aller, mesdames et messieurs, faut que je m'y fasse. De toute façon, ça va rentrer dans mon crâne à un moment donné, de ne plus dire Ladies and Gentlemen, ça va saouler tout le monde. Vous inquiétez pas, ça va bien rentrer dans mon crâne, va bien falloir. De toute façon, pour l'instant, il y en a eu que un. Ah, c'est pas pour faire dire, mais quand même. Ah, j'en sors 3-4. On est d'accord. Et you can see, mais oui, j'ai les bras dans les airs. Je vais voler comme un oiseau. Oui, avec John Cena, never give up, on vole comme des oiseaux. Fais un test, ouvre ta fenêtre, vole et vole comme un oiseau. Bon, allez, on sort. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, deuxième. Le deuxième, alors que j'en sors 4-5. Attention, les efforts, hein. Il y a des efforts quand même, hein. Moi, je le dis, je le dis. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Daniel Bryan. Yes, 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 le yes movement qui est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, en même temps, on va pas s'en plaindre, hein, parce qu'à un moment donné, les yes, 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 j'ai l'impression de retourner au CP, quoi. On vous apprend oui et non, même pire, maternelle, petite section, moyenne section. Moi-même qui travaille en maternelle, je peux vous garantir que c'est en moyenne section que t'apprends ça. Oui, non, comme la dernière fois, je suis rentré en classe pour récupérer les plus jeunes pour aller à la cantine. Et là, j'entends une histoire, ça me fait me faire pleurer. C'était l'histoire de Blanche-Neige, là, et les sept nains, là. Ces petits monstres, ils écoutaient même pas la maîtresse. Moi, j'arrive, j'entends Blanche-Neige quand elle a sauvé. Oh putain, je voulais pleurer. Les nains, c'est trop gentil, quoi. Hashtag Mimimati. Mesdames et messieurs, Daniel Bryan est dans le ring. Daniel Bryan va faire équipe avec John Cena et CM Punk. Et je contrôle l'équipe. John Cena, Daniel Bryan, CM Punk. Et on est contre Triple H, Randy Orton et Seth Rollins. Et donc on est parti, on accueille le dernier des derniers, le dernier coéquipier de la team Cena. Mesdames et messieurs, le plus grand WWE champion de tous les temps. Plus de 460 fois champion du monde, deux fois champion, deux fois de manière consécutive, Mr. Money in the Bank. Le grand, le beau, le merveilleux, le gigantesque, le moyen, CM Punk. Il est au Survivor Series CM Punk aujourd'hui. Et il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour lâcher la WWE. Car pour moi, c'est un geste de lâchement. Il a lâché la fédération parce que monsieur n'a pas aimé qu'il y ait une certaine, plus ou moins, qu'il y ait un certain retour de Batista. Et monsieur a lâché la fédération par rapport à ça. Alors franchement, la WWE, je pense, des plans bien plus gros pour lui. Donc il faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Et pour moi, CM Punk a lâché la WWE de façon lâche. Pourquoi de façon lâche? Moi je vois les choses comme ça, mais quand je donne mon point de vue, je suis quelqu'un de franc les amis. Donc vous aimiez ou pas, moi je vois ça comme ça. Pour moi, CM Punk, il faut savoir déjà que c'est le plus grand champion de tous les temps. Deuxièmement, CM Punk, il a signé à la WWE, il a signé un contrat. Ce qui fait que dans son contrat, il sait très bien à quoi s'entendre en travaillant à la WWE. Ça veut dire, moi je vois à partir de ça. Pour moi, c'est à partir de ça, ça part de ça. Sur le contrat, il y a écrit toutes les clauses. Même les bonnes choses, comme aussi les mauvaises choses, les choses à éviter. Il y a tout écrit sur un contrat, les amis. Et pour moi, CM Punk n'a pas respecté son contrat à la WWE en la lâchant comme ça, purement et simplement. Voilà, moi, je vois les choses comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous pouvez disliker cette vidéo par rapport à ce que j'ai pu dire sur CM Punk. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis les choses comme moi, je les vois. Pour moi, CM Punk a lâché la fédération parce que la fédération a voulu faire un truc qui ne lui a pas forcément plu. Voilà. Et c'est des storylines, les gars. Ils vont pas faire venir Batista pour le faire perdre. C'est bête. Mais voilà.
Franchement, Baptiste, en plus, il a sorti quand même de beaucoup de belles prises. Il a fait rêver son retour. Moi, ça faisait 4 ans que je l'ai pas vu. Franchement, le revoir, ça m'a fait plaisir. Et comme CM Punk n'a pas aimé, monsieur n'a pas été content parce que la WWE l'a pas mis en avant lui. Il a mis en avant un mec qui était pas là il y a 3-4 ans. Ok, Baptiste, il était pas là parce qu'il avait abandonné la fédération. Et après, il a commencé à faire des films et tout. Mais il est revenu, voilà. Là, il est reparti parce qu'il a des promos. Il peut rien, hein. C'est les obligations de la vie, voilà. Et monsieur CM Punk n'a pas aimé les futures storylines. Je sais plus trop quoi le délire. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage que CM Punk ait lâché la fédération. Il aurait vraiment dû, vraiment, vraiment dû rester jusqu'au bout. Mais enfin, bref, voilà, c'était juste mon explication, mon point de vue par rapport à CM Punk. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein, on a tous un point de vue différent, tout simplement, les amis. Donc voilà, Randy Orton, The Viper, The Legend Killer, The Apex Predator, The Seth, Randy Orton est dans ce ring. Et on vient d'accueillir Randall Kate Orton. Il est temps d'accueillir le reste du groupe. Oh, 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 mesdames et messieurs, le monsieur très technique qui est d'ailleurs au sort va avoir ça, oui, ce qui arrive. Ce sera un 5 versus 5. Et je rappelle que si la team Authority perd, Triple H et Stephanie McMahon ne sont plus vraiment officiellement les boss de la fédération. Mais d'après moi, je pense que la WWE va faire gagner les Authority. Parce que voilà, tu peux acheter le boss, à mon avis, ils vont tout faire pour qu'ils remportent les Survivor Series. D'ailleurs, voilà leur affiche déjà. Faut savoir que ce qui est bien, je pense qu'on va avoir nous Ryback. Voilà, dans notre équipe, Ryback, Sheamus, le Big Show, ce serait vraiment bien. Mais bon, après, avec personnel, on verra bien. D'ici là, peut-être que la vidéo, quand elle sera publiée, Survivor Series sera déjà postée ou pas, forcément, hein. Donc je sais pas, on verra bien ça d'ici là les gars. Donc voilà, Seth Rollins est dans le ring. Enfin, et sur le tablier, Seth Rollins est dans le ring. Et je vais essayer, surtout que je suis pas très très chaud. J'ai fait 2-3 matchs avant, j'ai pas arrêté de perdre. Donc je sais pas trop comment ça va se passer dans cette vidéo. Voilà, c'est juste pour m'entraîner parce que ça faisait faut savoir que je tourne que les dimanches. Là je tourne exceptionnellement le mardi, hein. C'est un mardi mardi férié, hein. Donc voilà, vous le savez tous, hein, je vais pas en parler, hein, c'est juste fériérisé. Moi, à partir du moment où c'est férié, pour la cause, je m'en fous. On me dit c'est férié, c'est férié. Oh, la musique de game, la nouvelle musique qui a été mise à jour dans ce WWE 2K15. Ça change de Don't to play the game. Ouh, to say, I'm just to the game. Attends, on va la faire ensemble. Touche pas le game, ou t'auras le droit d'aurore. Si tu touches le game, tu toucheras sa moustache, elle sera piquante. Bon, ok, je suis carrément drogué. Ladies and gentlemen, le commentateur, excuse-moi encore. Franchement, playback, à chaque fois que je vais sortir ce mot, je crois que je vais m'excuser direct. Je le sors trop. Bon, c'est vrai, faut que j'arrête d'abuser sur ce mot-là parce que même en réfléchissant bien à ton commentaire, franchement, t'as raison. Et moi, ça me casse les couilles à un moment donné de répéter trop. Et je me rends compte dans certaines de mes vidéos, je l'ai trop répété. Pourquoi j'ai dit 8000 fois? Bon, on va dire tout simplement maintenant, mesdames et messieurs, ça le fera mieux. Voilà, mesdames et messieurs, the game, the king of king, le roi des rois, Triple H, qui va, une fois de plus, gaspiller de l'eau. J'arrête pas de le répéter, mais c'est le cas, putain. Il peut pas, gaspiller du Red Bull. Ça, c'est pas très bien, c'est bien. Gaspiller du vin, au moins, ça évite que d'autres gens boivent du vin. Tu vois ce que je veux dire? Faire des bonnes causes, quoi. Ah là, elle a toujours de l'eau, il gaspille de l'eau le mec. Bon bref, voilà. Mesdames et messieurs, Triple H est prêt et chaud pour ce match. C'est un 6 man, 3 contre 3 et ça risque certainement d'être énormissime. Il faut vraiment rester jusqu'au bout. Il faut vraiment rester pour vous jusqu'au bout de ce Survivor Series, de ce match, mesdames et messieurs. Triple H, Seth Rollins, Randy Orton, Team Authority versus Team John Cena, Daniel Bryan et le best in the world, CM Punk. Donc voilà, on est parti pour ce match. Donc je vous rappelle que je contrôle la team John Cena. Donc je contrôle John Cena, Daniel Bryan et CM Punk. Et je commence justement avec John Cena. Et le coup de la corde à l'âge. Attention, chop Seth Rollins. On va le ramener avec un Actos. Je suis chaud les gars. Merde, je suis plus chaud. Orton Press. Et les coups qui pleuvent directement sur ma face. On va se calmer Randy, hein. Moi j'étais sympatoche avec toi. Il est pas content Randy Orton. Pourquoi? Randy qui me lève. T'as cru, Randy, que tu t'allais me relever comme si tu relevais une personne qui venait de tomber. Et ben, lui, de la right suplex. Allez, c'est bien. Commence bien à m'enchaîner, espèce de sale baltringue. Espèce de petit chenapan. Allez, PGM. Putain, merde, je suis con. Moi, je l'ai fait après en général. Je l'ai toujours, ça. Je le fais easy.
T'as juste senti que ça va être chaud ce match, hein. T'as vu tout le nombre de coups que je me prends alors que ça a à peine commencé. Je reviens justement. Attention, Seiko très par un néon. On va foncer dessus. Attention, Ayrton Press, il a été plus rapide. Et les coups qui pleuvent directement sur la face de John Cena. La team Cena commence plutôt mal le match. On va se calmer par contre. Oh oui, Revenge. Je suis fâché. Viens là. Mais merde, merde. Ayrton Press, les coups qui pleuvent encore une fois sur la face de Cena pour le calmer. Toi, tu vas te le prendre, ma Revenge. Tu vas te le prendre, ma petite gueule. Oh oh, le changement avec The Game, The King. Off Kiki, on y va. Coup de bélier à la monnaie. On fonce dessus. Le deuxième coup de bélier à la monnaie. Putain, merde, je me suis trompé de touche, mais putain, mais voilà. Putain, faut que je me concentre moi aussi. Si je me concentre pas, attention, il va choper mon bras et le coup directement sur le bras de John Cena. Quelle agressivité. Oh, monsieur Triple H, il va enchaîner avec des coups de poing directement dans la face du champ venu tout droit de West Nobor, Remake Sachusert. Il le relève. Non, laisse-moi. Voilà, dégage de là. Et bien non, il s'est contré. Ah oui, attention, et Lutas Poisse, elle est courte. Regardez-moi ça, comment il revient, John Cena, avec une série de putain de gros coups de poing sur la face. De Triple H, et le changement maintenant avec le Best in the World, c'est un punk. Allez, on y va, on le chope. Et merde, ok, la file, super. Allez, attention, on le prend. Projection dans le coin. Attention, et tiens, putain, c'est contre avec un magnifique bifoot de la part de Triple H. Triple H qui va relever. Triple H, attention, et tiens, et le DDT. Parfaitement exécuté par monsieur, c'est un punk. Magnifique arme d'oeil qui m'a calmé littéralement. Par contre, il va falloir se calmer, hein. Moi, je suis sympa avec toi, je t'ai pas trop frappé. Donc, s'il te plaît, je pense que c'est le minimum. Attention, il est coup directement sur la face de Triple H. Magnifique coup de pied. Attention, on prend maintenant dans le dos. Et boum, un coup de pied encore une fois. Il y a plus de respect. Tiens, toi, tu dégages. Attention, et le DDT. Il est chaud aussi, un punk. Oui, il est chaud. Oui, je suis chaud. Attention, va dessus. Tiens, on te prend toi ça. Attention, c'est contre. Triple H qui revient. Triple H qui va me choper par l'air. Attention, et le Ocean Next. Oui, parfaitement exécuté. Pas le King of King, le roi des rois. Attention, Triple H qui va revenir. On va choper Triple H. Bigfoot, merde. Putain, Randy Orton, il a contré ça. Chelou. Chelou. Attention, Triple H. Orton qui va me ramener dans le ring. Bah, putain, Cena, Daniel Bryan, faites des trucs. Bougez vos culs. Excusez-moi. Tout va bien. Hein, c'est rien. Y a pas de. Juste, j'engueule mes partenaires. Parce qu'ils font rien et ça m'énerve. Attention, on va choper. Voilà des coups. Voilà, tu me respectes, s'il te plaît. Non, respecte-moi. Il s'en fout de moi. Putain, il me reste. Regardez-le. Respecte-moi. Et le flat over neckbreaker de la part de CM Punk. Allez, lève-toi. Lève-toi. Oui, je vole. Non mais merde quoi. Viens là toi. Mais viens là. Viens là patron. Attention, et DDT sur Triple H. Fais pas le changement parce qu'après je vais me faire un slinter moi. Attention, le springboard elbow qui passe pas. Putain, écoute la corde à l'âge. Parfaitement exécuté pour calmer CM Punk. Et le changement maintenant avec Randy Orton. Beaucoup de changements du côté de la team Authority. C'est très bien joué de leur part. Maintenant moi je fais pas de changement, je suis une racaille. Et tiens, calme-toi Randy. Attention, on va choper Randy au relève. Tiens, voilà des coups de griffe. Je te griffe comme je grifferais un oiseau, moi. Attention, je suis un violent. Moi, chez moi, j'ai plein de bouteilles d'eau, d'accord? Ouais, j'ai plein de bouteilles d'eau. Attention, et non! Je rigolais, j'ai pas de bouteille d'eau. S'il te plaît. Si tu veux, je te donne tout ce que tu veux. Voilà, je suis un boss, moi. Attention, on est parti. Le springboard elbow. Parfaitement exécuté sur Randy Orton. Attention, Randy. Randy qui va avec les joueurs. Plus rien. Elle est où la lune? Elle est où? Oh merde! Allez, attention, on revient. On va choper Randy. On va le prendre. On va l'emmener directement là-bas. Le changement avec Daniel Bryan. C'est contré par Randy Kate Orton. Ouh là là, faut se calmer Randy. Randy qui va. Oh, regardez comment il écrase directement CM Punk. Y'a plus de respect. Et non, aïe, ça fait mal. Putain, mais franchement, les gars, faites un truc quoi. Quelqu'un pour me défendre. Oh là 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 là. Comment c'est. C'est incroyable quoi. Putain. C'est un. Croyable. Bon, cette Rollins, on va se calmer. Attention, et le neck. Break, parfaitement exécuté. C'est qui le patron là, hein? C'est quel patron? C'est moi ou c'est pas moi? Hein? 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 T'es ici, tu veux du shit? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, ouais. Daniel Bryan, je lui donnerai du shit après le match, hein. Oui, je vais lui donner du shit. Tiens, le shit. Attends, je suis dingue, faut que je me calme. Et le neck breaker de la part de Daniel Bryan. Faut savoir que quand je suis en malade, je suis encore plus fou que d'habitude. C'est chelou, mais c'est le concept. Attention, flat over neck breaker de la part de Seth Rollins. Putain, ça me saoule. Quel match entre les deux équipes. Et la back souplex maintenant de Rollins. Des deux côtés, ça contrôle très très bien le match. Oh putain, attention à Seth Rollins. Attention, Seth Rollins qui me chope, qui va m'emmener directement dans le coin. Oh oh oh, peut-être que je fasse le changement, non? Attention, il me chope. Oui, le changement avec CM Punk. Attention, regardez-moi ça. Attention. La powerbomb dans le coin. Mon dieu de Seth Rollins. On l'attaque et attention, et running bulldog. Voilà. Attention, on va l'emmener.
on va le prendre, merde. On va le prendre, j'ai dit. Voilà, projection dans le coin. Et on est parti pour la voyage de Daniel Bryan. Attention, le shop. Seiko, trade de la part de Seth Rollins. Attention, on va voler par-dessus Seth Rollins. On va prendre de l'élan. Attention, et merde, putain. Ah, mais à chaque fois, c'est quoi ce match où quand je fais mes revenge, ça passe pas. Oh, oh, oh. Allez, PGM. Ouh, concentration. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et tiens, attention, c'est contré. Attention, les coups qui pleuvent. On va choper la tête. Attention, et c'est contré par Seth Rollins. Mon objectif dans ce match, c'est d'avoir 3 finishers pour essayer de faire, bah, vu qu'il y a John Cena, l'attitude adjustment. Eh bien, comment vous dire, sur 2 personnes en même temps, ça me permettrait de finir le match plus facilement. Et ça finirait le match très très bien. Mais bon, chaque fois que j'ai, faut pas que je me lance trop de défis. Faut que je laisse le jeu se faire. Attention, on est parti. Le stop wap ou par coup. Parfaitement exécuté par Daniel Bryan. Attention, chope le bras. On va travailler le bras de Seth Rollins. On relève Seth Rollins. Maintenant, on va le choper. Attention, et bien c'est contré par Rollins qui est toujours là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce Seth Rollins qui est impressionnant dans ce match, littéralement. Et tiens, attention, c'est contré par Rollins. Monsieur Rollin, attention. Ah oui, c'est contré. Attention, Daniel Bryan qui est déterminé. On chope maintenant. Attention, et un. Et deux. Et non, oh mon dieu, regardez-moi l'agilité, la technique de Seth Rollins. Regardez-moi ça, attention. Et un. Ouh là là, quel match. Quel match, qui va remporter ce 3 contre 3. Attention, backbreaker suivi d'un neckbreaker parfaitement exécuté par Seth Rollins. C'est le coup directement dans la face de Daniel Bryan. Putain, mais Daniel Bryan, t'es frais. Oh là là, putain, mais comment ça se fait que je me prends tous ces coups là. Putain, je suis pas chaud aujourd'hui. Putain, si je gagne ce match, je suis un PGM. Tu dégages, ok. Tu te calmes, on chope le bras et tiens. Voilà, maintenant on va monter sur la troisième corde. Attention, j'arrive. Mais genre il a esquivé ça. Et Triple H revient. The King of Kings is back. Le CEO of this company is back. Attention, il chope mon bras, il va l'attaquer un peu plus là. Regardez-moi l'agressivité qu'il y a en Triple H, il me retourne. Oh non, mauvaise nouvelle, attention à la prise de soumission là. Putain les gars, faites vite quand même. Eh putain, je suis orange. Merde quoi. Putain, moi qui pensais être que jaune. En fin de compte, je me fais déglinguer littéralement. Putain, Cena aussi il se fait déglinguer. Putain, on est tous nuls. Attention, il chope ma jambe. Non, aïe. Putain, en plus je suis malade et je fais cette vidéo. Je suis fou dans ma tête, moi. Je suis pas seul. Attention, non, DDT. Ça, c'est un DDT fatigué. DDT. Oh putain, putain, putain. Oh, PGM Pro Game Master. PGM. PGM de la PGMitude. Attention, oh oui, tu me l'as placé. Attention à prendre de l'élan. Et le drop kick, et non. Attention, on lui va. Attention, oh, bon, regardez-moi cette souplex. Et le changement maintenant avec CM Punk. CM Punk est en feu. Attention, CM Punk. X comme XXX, la sexualité. Et B comme bébé. Est-ce que oui, pour faire un bébé, il faut faire de la sexualité. Tiens, toi, tu dégages. Putain, mais non. Oh là là, Power Rangers quoi. Tu veux que j'appelle les Power Rangers, Randy? Je te ramène Power Rangers rouge, Power Rangers blanc, Power Rangers vert. Je te ramène toutes les couleurs des Power Rangers. Bon, ok, je dis que de la merde, moi. Faut que j'arrête. Faut que je stoppe. Je contrôle qui déjà? Oui, je suis bête, moi je contrôle. C'est un peu... Oh, je suis au deux finishers. C'est pas pour faire dire, mais c'est une ouverture. Allez, on va faire. Tiens, j'arrive! Putain! Je me suis croûté comme une merde. Attends, je repasse à CM Punk. Merde, on va passer à... Putain, mais je me fais attaquer tous les côtés là. Voilà, Bulldog sur CM Punk. Sur Orton. Maintenant, on va retourner dans le ring. Merde, voilà, c'est bon, j'y suis. On va attaquer Triple H. Impact! Sorti nulle part de la part du King of King. Oh oh, Triple H. Attention, Triple H, peut-être la tentative de tomber. Attention. Ah non, 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 putain. Tranquille, tranquille, la famille, tranquille. Pépère, au calme. Attention, le Spinebuster de game. Oulala. Oh putain, attention. Ah oui, voilà, face. Magnifique. Magnifique facebuster. Attention. Et l'Orton DDT de l'autre côté. Quel match. Quel match. Orton qui se casse. Et voilà, attention, on va chercher le DDT sur Triple H. Quel match. Quel match entre les 3, entre les 6 hommes. Attention, il revient. C'est pas possible. Regardez Triple H. Attention à Triple H. On chope Triple H. Et tiens, mange mes cheveux. Et oui, tu vas les manger. Attention, et c'est contré de la part de Triple H. Triple H qui revient. Dégage. Merde, je suis con, moi. Je vise trop mal en plus. Vas-y, viens là, toi. Et prends-toi mon jambe. Mon jambe. D'accord, tout va bien. Attention, Orton, il me retourne. Attention, à la carrière de la Viper. Regardez-moi. Attention, on chope, c'est contré. C'est contré encore une fois. On chope Randy. Oh putain, je suis un PGM. Allez, toi, tu dégages de là. Voilà. Oh putain, moi je me casse. Et tiens, voilà le spear qui a fait dégager Randy Orton. Je vous rappelle, voilà, CM Punk, c'est bon. Et tiens, dégage-toi. Bah attendez, tu sais quoi? Vous savez quoi? Voilà, on va faire des petites provoques. Oui, je suis bon. Qui veut un ring? Chez lui. Oh oh oh, je m'entraîne. Papa Noël va venir. Il va se prendre un go to sleep. Bon allez, venez les gars. Ah, monsieur l'arbitre. J'aime bien les oiseaux.
Allez, on se calme. Et les kicks directement dans la face de Randy Orton. Allez, on monte sur la troisième corde dès à présent. J'arrive. Ok. Mais j'avais vu Casper, hein. Attention, je le précise quand même. Et Running Bulldog sur la bête qui a rien fait. Je m'en bats les couilles, moi. Y'a plus de respect, y'a plus de règles. Vu que c'est un 6 semaines et on a Survivor Series. Entre les 6 hommes, qui va avoir le dernier mot? Oui, c'est moi. Et ben non, c'est Randy Orton qui va choper. Attention, regarde la prise de soumission. Nalelson Lock. Voilà, j'étais obligé d'utiliser la révolte à un moment donné. Parce que là, j'allais perdre de toute façon. Donc j'étais dans la merde, concrètement. Attention, Randy Keep Shop. Attention, Randy. Il va m'emmener avec une grosse Pat Baker. Parfaitement exécuté. Et tiens, Running Bulldog. Allez, on va se casser. Allez, Sien, casse-toi, casse-toi. Voilà. Ah, oh, 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 non, pas ça. Pas ça, Randy. On va prendre Randy. On va le choper. Projection dans les cordes. Randy qui revient. Attention, c'est contré. Le petit paquet, le petit paquet. Putain, ça va être chaud. Ça va... Oui, non. Oui, oui, PGM. PGM. Allez, un. Et deux. Et non. Putain, et un. Allez, 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 ça va mettre. Allez, un. Simplement, quel match. Quel match. Attention, il est tombé encore une fois. Attention. Attention. Oh oui, c'est retourné. Regardez la vigilité, la technique de CM Punk. Allez, un. Oh non, putain, c'est pas possible. Quel match. Attention, Springboard. Tiens, close line. Et non, Randy Orton qui a su esquiver. Regardez-moi cette Viper qui est en train d'attaquer. Il va ramener CM Punk, la carcasse au milieu de ce du ring. Oh, le tomber. Oh oui, vas-y, fais-le. Et prends-toi ça, voilà. Pas tombé, j'ai dit, ok. On chope Randy. On va l'emmener avec un magnifique Neckbreaker. Voilà, quel match. Quel match entre la team Cena et la team Authority. Springboard close line. Parfaitement exécuté. Wouhouhou. Maintenant, on va travailler directement à l'avant-bras. Regardez-moi ça. Un coup, deux coups. Faut que tu te calmes. Tu m'énerves. Et que tu m'énerves. Et changement avec le champ John Cena. Qui s'est pas très fait pré-attaquer. Attention. Oh oui, ça va. Easy. Easy. Oh putain, faut que je me calme. Hein. Pour faire dire, mais voilà quoi. Attention, Randy Orton qui chope mon bras. Randy Orton qui le tourne. Randy Orton s'est contré. John Cena le shoulder block. Parfaitement exécuté par le champ. Attention, merde. Oui, j'ai les. Va falloir que je fasse le plan là. Va falloir que je commence à préparer mon plan. Attention, attention, le tomber. Le tomber. C'est contré. Ah oui, ah oui, allez, allez. Non, j'annule. Ok. Et voilà, viens là, toi. Tu peux aller. Putain, faut absolument que j'arrive à mettre un des deux qui sont sur le tablier. Les ramener dans le ring comme ça. Je mets les deux dans le coin et l'attitude adjustment Russian next week. Ça, c'est mon but. C'est la seule façon pour que je puisse avoir une chance de gagner ce match. Attention, regardez cette Rollins. Regardez la powerbomb, la petite powerbomb de cette Rollins. Mais non, tu peux pas faire tomber. Reste là, cette Rollins. Reste là, putain de merde. Putain. Et changement avec Randy Orton. Randy Orton qui vient. Attention, Cena qui joue. Cena qui esquive. Regardez ce PGM. On le prend. On va l'emmener directement. Projection dans le coin. Triple H, voilà. Triple H, voilà. Ah oui, Triple H, voilà. Allez, maintenant, on va lever Triple H. Putain de Randy Orton de merde. Fallait rester là-bas, attention, projection maintenant. Putain, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Attention, Twee, l'arbitre qui compte Triple H. L'arbitre qui compte Triple H. Triple H, une petite alternation avec l'arbitre. Et Triple H qui se casse. Oh non, si, oh y'a des. Oh non, oh non, le DDT de la troisième corde. Mon dieu, regardez-moi cette Viper. Regardez-moi le, regardez cette Viper. Attention, Daniel Bryan qui va intervenir. Daniel Bryan qui va te choper. Attention, c'est contre Randy Orton, la belly to belly. Souplex sur Daniel Bryan. Oh là là, quel match. Il va maintenant travailler le bras de Daniel Bryan. Qui va remporter ce match, les amis? On va chercher qui? Triple H? Allez, Triple H, viens là. Maintenant, on va se calmer. On va lever. Merde, Triple H, je veux lever Triple H, moi. Bon, Triple H, viens là. Attention, bah, toi, Seth Rollins, maintenant. On se prend pas la tête. Allez, projection. Putain de merde. Attention, c'est contré. Je veux Seth Rollins. Seth Rollins, reviens là. Attention, Running Bulldog sur Seth Rollins. Je veux Seth Rollins qu'il aille dans le coin. Est-ce que tu comprends, Rollin? Allez, monsieur Rollins, projection. Putain, mais pas là. Tiens, calme-toi. C'est pas là que j'avais dit. Putain, si je projecte mal, en plus, on va pas s'en sortir, bordel. Attention, Randy Keep Shop, le drop kick. Parfaitement exécuté par Randy Orton. Attention, il va travailler maintenant le bras de John Cena. Quel match. Pour qui êtes-vous dans ce match? Attention. Oh non, pas ça. Oh non, attention, Randy, la descente de genoux. Parfaitement exécuté par Randy Orton. Les 6 hommes mériteraient de remporter ce match. Il y a eu tellement de coups des deux côtés. Projection, attention, je reviens. Et magnifique, manchette à l'open. Et maintenant, il va me placer au milieu de ce ring. Attention, Daniel Bryan qui intervient. Et tiens, voilà, laisse Cena tranquille. Oh oui, les deux hommes sont là. Attention, c'est contré. Repoussé par Randy Orton. Et tiens, tu reviens. Attention, on chope Randy. Projection dans le coin. Viens là, Seth Rollins. On chope Seth Rollins. On va maintenant projecter directement dans le coin. Putain de merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, l'ouverture, elle est là. Elle est là, viens là toi. Attention, laisse-moi voir le dernier mot. Non, c'est moi.
Voilà. Attention, on va choper projection dans le coin. Oh oui, Randy. Oh oui, Randy. C'est bon, c'est parti, les amis. Attention, on y va. On chope les deux hommes. Regardez John Cena. Regardez. Ouais, la puissance de John Cena. Double attitude adjustment sur WWE 2K15. Le 2. Regardez-moi ça. Triple H, dégage de là. Attention, on va tenter. Pour oui ou non. Allez, vite. Allez, l'arbitre. Allez, oh oui, Triple H, c'est KO. Et 2. Et 3, la victoire de la team John Cena, CM Punk et Daniel Bryan. Quelle belle victoire de la part de la team Cena. Oh oui, j'ai mérité ce match. Je me suis pris beaucoup de coups, ils ont mis beaucoup de coups, mais on a enfin réussi à mettre un terme à ce match grâce à John Cena qui a porté un double attitude adjustment. Quel match. Et si ça se passait comme ça au Survivor Series, si la team Cena parvenait à gagner ce match à l'heure où va être uploadée cette vidéo, je sais pas si Survivor Series sera passé ou pas, j'en sais rien encore les amis. On revoit pour le plus grand plaisir le magnifique double attitude adjustment. Donc voilà. Wouh. Je suis dingue là. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous. À la prochaine, salut tout le monde. Peace. Whole class.